C'est tout le confort qui correspond à nos besoins pour un week-end 4 jours, donc c'est super. Ouais, ouais. Donc voilà, les Franco, nous voilà. À nous les Franco. Je viens au séjour Francofolies, c'est la 4e fois. J'y reviens tout naturellement, car déjà pour l'amour de la musique, mais aussi pour l'occasion de rencontrer différents agents de toute la France où il y a un échange. J'aime beaucoup la musique et puis les artistes qui venaient m'intéresser, donc voilà, j'ai décidé de faire ce séjour. Tous les jeunes des différentes SEMSES se rencontrent autour des Francofolies. C'est une activité qui allie le par et le pour. C'est les agents qui créent le séjour pour présenter les Francofolies d'une manière festive et d'une manière culturelle. Au programme du séjour, on propose des visites de La Rochelle. On propose une balade en bateau avec le dolmen, un vieux bateau qui appartient à la SEMSES de La Rochelle. On est passé au large de l'île d'Aix, on a fait le tour de Fort Boyard. C'était très agréable, c'est à refaire. Ah ouais, c'est le grand étape de ça. Une visite aussi des backstage qui est très intéressante pour découvrir l'envers du décor des Francofolies. Cette année, il y a deux concerts à Saint-Jean-d'Acre. C'est la grande scène des Francofolies. Les Franco, c'est assez particulier. Dans le sens où il y a énormément de monde et pourtant on ne se sent pas en insécurité. Parce que les gens sont là pour l'amour de la musique. C'est bon enfant et c'est plutôt sympa, ouais. On partage pas mal de choses donc avec les jeunes du groupe et quelques actifs qui sont venus se joindre à nous pour différentes activités. Et c'était quand même assez bien de pouvoir échanger entre nous sur différentes choses, sur l'entreprise, les actifs sociaux, les Francofolies aussi. J'ai trouvé ça très très sympa, très convivial. Ça vaut le coup, franchement. Je souhaite à ce que ce séjour évolue dans le bon sens et que chaque année on puisse tous se retrouver pour les Franco. Ouais.